Shalom, shalom, mes frères et sœurs, c'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Nous allons voir le thème intitulé Prière du matin, une déclaration pour bien dormir la nuit. Pendant cette série, je veux parler de la prière du matin, une prière qui programme ta journée et la prière, la déclaration prophétique de la nuit, des déclarations qui commandent un bon sommeil dans ton cerveau. Voilà ce que nous allons voir. Alors, cette série, je l'ai divisée en 6 épisodes. 6 épisodes de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et je veux que tu puisses le regarder pour recevoir cette révélation que notre Seigneur a pour toi. Alors, avant que je commence, je voulais vous rappeler, si tu n'es pas encore inscrit à cette chaîne, je te demande de le faire maintenant. Inscris-toi à cette chaîne et le Seigneur va te bénir. Et quand tu es inscrit à cette chaîne, dès que je lance le deuxième vidéo de la série est lancée, tu pourras le voir. Dès que le troisième vidéo est lancée, tu pourras le voir. Inscris-toi sur cette chaîne et appuie sur la cloche pour que dès que nous avons un nouveau vidéo, tu puisses être informé. Alors, sois béni pendant que tu le fais. Alors, nous allons commencer avec notre première vidéo. Je vous rappelle que ça sera 6 vidéos. Alors, notre première vidéo est le matin. Le matin. Alors, le matin, qu'est-ce qui se passe le matin? Nous allons voir ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 5. Nous allons lire le verset 4. L'Éternel. Le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Le matin, tu attends ma voix. Voilà ce que notre frère, dans le livre de Psaume, il déclare. Il dit à Dieu, ô Éternel, le matin, tu attends ma voix. Le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Donc, il y a une connexion qui se fait le matin. Ce n'est pas au hasard que le prophète David, il a mis ça dans sa chanson. Que le matin, Dieu écoute sa voix. Et que le matin, lui aussi, il attend. Donc, il y a une connexion qui se passe le matin entre Dieu et le psalmiste, entre Dieu et David. C'est prophétique et c'est quelque chose pour toi. Je veux que cela puisse être une habitude dans ta vie. Nous avons la clé. Le matin, Dieu attend la voix de son servant. Le matin, Dieu attend la voix de son servant, de sa servante. Et le matin, toi aussi, tu attends Dieu. Donc, tes oreilles sont ouvertes le matin. C'est là est connecté à l'intelligence que le matin, ton cerveau vient de se reposer. Ton cerveau vient de se reposer et tu te réveilles le matin. La tête est fraîche, tes images sont frais. Alors, tu es à mesure d'écouter le Seigneur, d'entendre la voix du Seigneur. D'une façon, peut-être que tu n'as jamais fait auparavant. Vous êtes en train de suivre ici l'importance de chercher le Seigneur le matin. Cela apporte une révélation dans ta vie. Cela apporte une révélation pour la journée. C'est dans les livres de Job, lui, il nous parle de programmer la journée. De mettre dans la journée ce que toi tu veux. Tu le programmes dans ta prière, par ta prière. Nous sommes en train de voir un temps où la révélation du Seigneur vient pour toi, pour la prière du matin, qui est reliée aussi aux déclarations de la nuit. Nous allons parler de déclarations aussi de la nuit. Ne rate pas cette vidéo. Ne rate pas. Inscris-toi à cette chaîne pour que quand la vidéo
arrive, tu puisses être le premier à le voir. Parce que nous sommes en train de suivre que les matins, tu te tournes vers Dieu et Dieu se tourne vers toi. Alors, beaucoup de gens, ils disent que, oh, Dieu ne me parle pas. Beaucoup de gens, ils pensent que Dieu ne le parle pas. Beaucoup de gens disent que ça fait longtemps que j'ai entendu la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis en train de partager avec toi et je suis en train de te montrer le secret dans la parole de Dieu. C'est que le matin, avant que les autres bruits entrent dans ta tête, entrent dans ton cerveau, toi déjà, cherche la face de Dieu. Et quand tu es en train de chercher la face de Dieu, le matin, tu es en train de programmer ta journée. Tu es un programmeur de ta journée. Tu envoies les commandes dans ta prière à ce que ta journée va être. Tu es un opérateur de la journée. Alors, quand tu sais que tu es en charge, le matin devient le clé de ta vie. Où chaque matin, tu gagnes le combat de la journée. Où chaque matin, tu as le miracle de la journée. Où chaque matin, tu donnes la victoire à ta vie. Et cela se fait le matin. Parce que tu attends ce que Dieu a pour toi. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est la chose qui apporte à un autre niveau. La révélation de ton Dieu, elle te fait monter en haut. La révélation, mes frères et sœurs, il y a les choses qui sont cachées. Le contact, tu peux avoir un seul contact dans la journée qui va te rendre heureux, qui va donner la solution à tes problèmes. Le Seigneur Dieu fait les choses en envoyant quelqu'un, en envoyant un ange. Maintenant, l'ange qui amène une révélation pour toi, parce que tu as besoin de la révélation chaque jour pour comprendre où partir. Et où ne pas partir, avec qui faire les affaires, avec qui ne pas faire les affaires. Maintenant, cela se passe. La révélation de toutes ces choses, la clé du mystère se fait le matin. Le matin, quand tu te présentes devant ton Dieu, tu peux avoir ce qu'on appelle l'échange divin. L'échange divin arriver dans ta vie le matin. Tu es en train de me suivre, mon frère et ma soeur. L'échange divin arrive le matin parce que tu as eu un rendez-vous avec Dieu. Tu as eu un rendez-vous avec ton Dieu. Dieu est le boss. Dieu est le chef. Dieu est le Seigneur. Le maître de l'univers. Alors, le matin, si tu entres dans le bureau, parce que la prière nous amène devant le Seigneur. Le matin, si tu entres dans le bureau pour un meeting avec le Seigneur du ciel et de la terre, le Seigneur va te donner le plan pour toi. Le Seigneur va donner la grâce parce que chaque jour le matin Dieu renouvelle sa grâce. Alors le matin tu reçois la grâce, le matin tu reçois la faveur dans le réunion avec Dieu. Quand tu es dans le réunion avec Dieu, quand tu es dans le réunion avec Dieu, quand tu es dans le meeting avec ton Dieu, il y a la puissance qui est déclenchée. Il y a le miracle qui sont déclenchés. Voilà pourquoi je vais partager avec quelqu'un ce matin pour dire que chaque matin, il y a un miracle qui vient de Dieu pour toi. Chaque matin, Dieu fait un miracle pour toi. Beaucoup parmi nous, nous avons des accidents, nous signons des mauvais contrats, nous nous trouvons dans beaucoup de chaos, juste parce que
le matin, nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans la présence de Dieu pour avoir sa révélation, pour avoir ce qu'il a pour nous. Et voilà pourquoi des fois nous nous retrouvons dans des accidents. Voilà pourquoi nous rencontrons des mauvaises personnes dans la journée et nous signons des mauvais contrats. Mais quand tu entres dans le bureau de ton Dieu le matin, le Seigneur, il te montre, il te révèle des choses grandes. Alors le matin, c'est un temps. Quand tu te présentes le matin dans la présence de ton Dieu, demande la révélation. Demande la révélation. C'est facile pour ton Dieu de te ramener dans son plan. C'est facile pour ton Dieu de te ramener encore dans son plan. C'est facile pour le Seigneur de te ramener encore dans ton destin. Alors le matin, il te montre le chemin. Voilà ce que notre première vidéo. Et je prie avec toi. Je prie avec toi. Une prière pour le matin. Seigneur, le matin, ouvre-moi les yeux. Le matin, montre-moi ta lumière. Le matin, Seigneur, montre-moi le chemin à prendre. Le matin, Seigneur, envoie tes anges, les anges qui viennent pour aider ma vie devant moi. Envoie-le, Seigneur, ce matin, et par la foi, je le reçois. Voilà, je prie pour toi que la force de Dieu et l'Esprit de Dieu entrent sur toi pour que le matin, tu puisses avoir la force de entrer le premier réunion avant que tu touches ton téléphone, avant que tu envoies un tweet, avant que tu fais un Instagram, mais que tu entres dans le bureau de ton Dieu, dans le bureau du boss, le maître de l'univers, pour avoir ce que Dieu a pour toi. Le plan que Dieu a pour toi est bon et il veut te révéler. Prière du matin et déclaration de la nuit pour bien dormir. Je crois, mon frère et ma soeur, si tu suis cette série, la révélation que Dieu va mettre en toi va bouger ta vie. Tu vas aller de victoire en victoire. Chaque jour pour toi, ça sera une victoire. Chaque nuit pour toi, ça sera plaisible. Soyez bénis, soyez bénis. C'est votre frère, Dr. Coco King. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre vidéo sur la série. Voilà mon frère, c'est la fin de notre premier épisode. Et notre thème a 6 épisodes. Je l'ai divisé en 6 épisodes. Alors, appuie en bas pour regarder le prochain vidéo et appuie aussi à côté ici pour t'inscrire sur notre page pour que chaque fois qu'on a un nouveau vidéo, tu puisses le regarder. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous continuons la semaine prochaine avec notre thème.